gros match, une belle équipe en face, qui joue bien au ballon, qui mérite de jouer au-dessus, mais on a su réagir à chaque fois, marquer pour revenir au score et au final gagner ce match-là. Qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui hein? Je pense que le réalisme, on a eu plus d'occasions qu'eux en deuxième mi-temps, je crois qu'ils ont frappé que deux fois. Et nous, on a eu je ne sais combien d'occasions, donc c'est pour ça qu'on gagne. C'est une grosse force de caractère parce que vous revenez quand même deux fois au score. Hein. C'est ça, mais ça c'est depuis toute la saison, c'est avec notre force. C'est quand même la cerise sur le gâteau, c'est après ça. La montée en PH. C'est ça, montée en PH, l'équipe 2 qui gagne la Coupe des réserves, l'équipe 3 qui monte en D4, la montée en PH, enfin bref, c'est une super saison. Qu'est-ce que tu as à dire à tes coéquipiers en tant que capitaine? Je les aime tous pour tout ce qu'ils ont fait, on forme une famille et c'est comme ça que c'est grâce à ça qu'on arrive à gagner Champions de l'Anjou aujourd'hui, c'est grâce à ça qu'on vit bien, c'est un club qui vit bien, donc félicitations à eux et vivement l'année prochaine. Bon David, t'es un coach heureux avec cette victoire en Challenge un jour. Hein. Oui, grosse satisfaction, c'est une saison qui est énorme. On avait la PH comme objectif principal, on monte sur deux saisons consécutives, l'équipe C qui monte et qui finit première de son championnat. L'équipe B qui il y a 15 jours ramène la Coupe des réserves et nous aujourd'hui qui ramenons un nouveau trophée, c'est une saison juste fantastique pour le club et voilà, faut qu'on savoure ces moments-là qui sont rares. Vous avez fait preuve d'une grosse force de caractère ayant mené deux fois au score. Oui, c'est vrai, on encaisse ce but-là sur coup franc qui peut être évitable. On a les ressources mentales, on l'a montré toute l'année en championnat, qu'on était capable de rebondir sur des contre-coups comme ça. Même là, juste après le pénalty sur la deuxième mi-temps où on est en échec, on continue à lever la tête et aller vers l'avant. Donc, on a su rebondir, mais j'avais dit sur la préparation d'avant-match que mes gars avaient un cœur énorme et un mental d'acier et ça s'est vu aujourd'hui, donc je les félicite vraiment. Et pour toi, la séance de tir au but, c'est la loterie. Qu'est-ce que tu as dit à tes joueurs avant la séance? Je leur ai dit qu'ils seraient récompensés tout simplement, qu'il fallait faire le boulot et que voilà, au vu du comportement qu'ils ont eu toute l'année, au vu du travail fourni à l'entraînement depuis trois saisons, ils allaient être récompensés. Après voilà, c'est la loterie. Notre gardien, on savait qu'il est redoutable dans cet exercice. Il avait à cœur aussi de se rattraper sur le premier but encaissé et il a fait le job sur un des tireurs. Donc, on le félicite et voilà, c'est malheureux pour le FCPC, mais voilà, c'est toujours pareil sur les séries de tir au but, ça balance d'un côté et là c'est de notre côté et on va savourer ça. Puis ton numéro 10 qui a loupé un match a quand même concrétisé au tir au but. Hein. Oui, il est comme tout le monde, il a une grande confiance en ses qualités, il ne doute pas. Il a été en échec précédemment en championnat, je lui maintiens ma confiance sur les tirs au but, ça ne change rien. Et là, il met le cinquième et c'est le plus important. Donc il faut le féliciter, mais ça fait partie des leaders du groupe qui tirent les plus jeunes vers le haut et il faut le féliciter pour ça et c'est positif. Une vraie victoire de groupe. Hein. Bah oui, une vraie victoire de groupe. On est parti à 16 aujourd'hui. Il y en a un qui est resté sur le banc. C'était le jeu. Enfin, deux qui sont restés d'ailleurs, mon gardien remplaçant. Et en arrière, on a voilà, c'est une victoire de tout un groupe, c'est une famille, c'est un travail qui est fait en amont avec les jeunes. Non, c'est une grosse satisfaction. On avait des gars qui étaient suspendus aussi pour ce match-là. On avait deux gars qui ne pouvaient pas faire partie de ça. Donc oui, les gars ont joué pour le groupe, pour le SA et faire honneur au maillot. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont coché toutes les cases. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à la fin du match là, dans le vestiaire? Les féliciter, savourer ces moments-là qui sont très rares. Ils travaillent, on n'a rien sans rien et c'est juste génial pour le club. Il faut qu'ils savourent, qu'ils fassent la fête, qu'ils en profitent. Les saisons se suivent, pas forcément. Là, on est dans une bonne dynamique, c'est une saison qui est quasiment totale, c'est du 100%. On en profite et puis on saura quand on aura des moments plus compliqués l'année prochaine. Il faudra avancer le curé de et servir de ces moments-là. On passe dans la victoire et surtout dans la défaite quand ça arrive. Bon, Okan, un peu de déception. Comment t'expliques que vous menez deux fois au score et que vous faites deux fois égaliser? Un peu de déception, c'est normal. Voilà, quand on mène deux fois au score, surtout qu'on marque le deuxième but à la 75e, c'est un peu dur à encaisser. Mentalement, Brissac, je les félicite car mentalement, ils ont vraiment été forts. Après, en deuxième mi-temps, je pense que vous avez dû remarquer que j'ai préféré faire bloc bas pour jouer vraiment avec mes vitesses que j'avais devant, parce que c'est vrai que physiquement, ça allait être dur pour nous. J'avais 11 de mes joueurs qui jeûnaient,
donc ils faisaient le ramadan, ça faisait déjà pas mal de temps qu'ils n'avaient pas bu et pas mangé. C'était un peu dur, après voilà, je reste quand même satisfait du contenu puisqu'on perd au pénalty, pour moi c'est de la loterie, donc voilà. Est-ce que pendant les prolongations, vous avez justement attendu la séance de tir au but parce qu'il n'y a plus trop de jeux? Ben, nous non, parce que je pense qu'ils ont abusé de longs ballons Brissac, et je pense que physiquement ils commencent à prendre un coup. Parce que je pense que là, physiquement, les deux équipes commençaient à se neutraliser. Il y a juste mon gardien qui essayait par moment un petit peu de vraiment apaiser les tensions en gardant le ballon. Voilà, j'ai pas voulu lui donner mais beaucoup plus d'indications pour lui dire d'aller plus vite ou pas. C'est, les gars, ils arrivent à se gérer eux-mêmes, ça reste des hommes. Donc voilà, puis après on a été pénalty, hein. Comme je vous dis, c'est une loterie, malheureusement c'est l'une de mes plus grosses recrues qui loupe le pénalty, c'est dommage, mais c'est comme ça, c'est le football. Qu'est-ce que tu leur as dit dans les vestiaires à tes joueurs? Avant le match? Après le match. Bah après le match, comme je leur ai dit en début de match, c'est que j'ai pas fait un épilogue tactique ou technique, etc. et tout, parce que voilà, on arrive sur l'aboutissement d'une saison. Je pense que techniquement, tactiquement, les mecs, ils ont tout ce qu'ils veulent dans leur tête. Et je leur ai juste dit que quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit du résultat, ça reste des champions à mes yeux. Et ça restera des champions même ce soir, à cette heure-ci, même si on a beau avoir perdu la finale du challenge. Mais je lance le défi comme quoi l'année prochaine, je serai encore en finale du challenge d'Anjou. Et ça, je le dis, et je pense que je jouerai les premiers rôles en D1. Voilà. Ouais, parce que c'est quand même une belle saison quand même au Canada. Ah ouais, c'est une saison, voilà, c'est une saison très réussie. Voilà, j'ai eu 2-3 blessés de longue date, dont un qui a fait le déplacement avec nous, mais qui n'a pas pu jouer parce qu'il est trop mal au genou. C'est une saison, oui, voilà, je suis un entraîneur comblé. Je ne pensais pas faire autant de choses de bien avec, je vais dire, avec une bande de copains. Après, c'est vrai que je tiens à remercier aussi tout ce qui est mes frères, mon petit frère qui est président, qui d'ailleurs vient de dire que je peux renouveler. Voilà, donc je viens d'être limogé. Hein. En direct, hein. Et mon grand frère qui est vice-président, voilà, on est des frangins, on est là, on est tous ensemble, on est main dans la main. Donc voilà, non, je pense que il n'y a que du mieux qui peut arriver dans l'avenir. Voilà, l'année prochaine, je te donnerai les infos demain, je me suis renforcé de 3 joueurs. Donc deux qui étaient là, donc l'année prochaine, voilà. Je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui vont m'attendre et je veux qu'on m'attende. Voilà. Bon, voilà, nous on a un projet, comme je l'avais dit en début de saison, suite à une interview de ta part. Voilà, nous on a un club qui grandit, on a beaucoup de licenciés, on a pas mal de jeunes. Et j'ai pas mal de contacts, pas mal de joueurs qui jouent en ligue, qui vont venir signer chez nous pour apporter au projet. Donc voilà, aujourd'hui, nous on n'a pas de limite, comme je dis. Hein. Si on peut monter tous les ans, on le fera. Et on n'a aucune limite. Donc oui, il y a vraiment de très belles heures qui attendent le FCPC, c'est une certitude. Bon, Hakan, tu es un président plutôt déçu. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tes sentiments du match, hein? Oui, on reste déçu. Après, ça reste quand même une fierté d'être arrivé jusqu'en finale, surtout après avoir validé la montée. Donc ça fait quand même 18 mois qu'on travaille sur le projet du FCPC. C'est un projet qu'on espère mener à long terme. Donc on est au tout début de l'aventure. Ça aurait été la cerise sur le gâteau de terminer par une coupe. Mais bon, c'est voilà, faut féliciter les joueurs, faut féliciter les bénévoles. Il y a de très nombreux supporters qui ont fait le déplacement. Donc on ne va pas s'arrêter là. C'est pas ça qui fera que voilà, nos ambitions restent tout le temps, toujours très élevées. Et puis je sais qu'on arrivera à terme au bout du projet. C'est une belle saison avec la montée quand même. Hein. Oui, très belle saison. Et puis bon, il n'y a pas que l'équipe première. Il faut féliciter aussi l'équipe B chez nous qui monte en D3, l'équipe 3 qui monte en D4. Donc ça reste une très belle année pour l'FCPC. Quand on a repris le club, il y avait quand même énormément de choses à revoir. Je pense qu'on a réussi une grande marche en avant. Et l'année prochaine, il va falloir faire en sorte d'avancer encore plus. Justement, en tant que président, quels seront les objectifs du FCPC? L'objectif clair du FCPC, c'est d'être le deuxième plus gros club de Cholet et son entourage. Moi, je sais que bon, je ne travaille pas tout seul, je travaille avec mes deux frères. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment d'atteindre le niveau plus haut régional. Après, ça prendra le temps que ça prendra, mais en tout cas, on a cette ambition-là.